à tous, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve sur ma partie perso. Je sais que vous aimez les vidéos sur ma partie perso, et puis j'avais envie de faire du changement mais sur ma partie. Donc je vais vous expliquer tout ça. J'ai envie de changer la stabulation parce que cette stabulation c'est du vu et revu. Et j'en ai un petit peu marre de devoir aller pailler là-bas, là, où il y a les vaches. Et puis même j'ai envie de changer un petit peu la ferme, enfin au moins la stabulation. Alors bien sûr, j'ai pas envie de tout changer la ferme, hein. J'ai envie de garder la base quand même, mais j'ai vraiment envie de changer la stabulation. Donc je vais faire ça avec vous, je pense que je vais... Ouais, c'est sûr même, je vais faire ça en accéléré, parce que sinon ça va être trop long pour vous. Donc j'ai déjà pris de l'avance en off, j'ai vendu tout le lait, j'ai vendu... non, j'ai pas vendu, mais j'ai curé tout le fumier que j'ai mis là-bas du coup. Je sais pas si vous voyez, alors je vais avancer un peu plus vite. Donc j'en avais pas beaucoup parce que j'en avais épandu. Ensuite, le lisier, j'ai fait des petits stocks ici dans les deux cuves. Et j'ai la cuve à lisier qui est pleine dessous, là, normalement. Je sais pas si on peut voir. Elle est aux cases. Donc, du coup, ouais, je vais vous faire un petit accéléré. Et puis, j'espère qu'en tout cas, que la vidéo vous plaira. Et puis, nous, on se retrouve à la fin. Une fois que j'aurai fini de placer la stabule, que j'aurai mis de la déco, quelques arbres, et puis racheter les vaches. Et puis, voilà. I'm not afraid to die.
Ok, donc me revoilà. Donc ça y est, bon, j'ai fini. Donc je voulais mettre plus de détails vers ici, mais je pouvais pas trop m'approcher. Puis après, je voulais pas que ça soit trop en plein milieu du chemin. Donc franchement, je suis quand même pas déçu. La statue, je la trouve plutôt jolie. Je trouve que ça va bien dans le décor. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va s'occuper, je pense, ensemble. Du coup, le bâtiment, ça va pas du tout avec. Et puis, je peux pas sortir comme il faut, je pense, ici. Donc ouais, je pense qu'on va revendre le bâtiment. Donc j'ai, comme je vous ai fait ça en accéléré, c'est vrai que pendant l'accéléré, je bouge beaucoup la caméra. Et j'espère que ça va pas trop vous déranger parce que j'ai pas vraiment le choix de bouger la caméra. Donc j'ai essayé de la bouger le moins possible, mais bon, c'est pas évident. Ce qu'on va faire, on va décaler les bottes. Et puis on va racheter les vaches ensemble, j'en avais 102. Donc ouais, franchement, on va racheter les vaches ensemble, je pense. Alors je vais me mettre en vue intérieure. On va prendre le petit joystick qui va bien. Hop là. Franchement, avec le joystick, ça change la vie. Allez, si tu pouvais éviter de tomber, ça serait bien. Non, tombe pas. Voilà, comme ça je fais que d'une pierre deux coups. On va relever ça ici. Ouais, avec le joystick, comment c'est maniable, c'est vraiment trop bien. On dirait limite une boîte d'herbe, elle. Bizarre. Elle est plus foncée, on dirait celle qui est dessus. Non, là, je suis pas assez au milieu. Alors, je suis sûr que là, ça va tout tomber. Voilà, non, c'est bon. Donc, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Et du coup, pour ce qui est de la carrière suivie, je suis pas vraiment pas sûr de la sortir avec le mode saison. Parce que... le mode saison, vous avez eu l'occasion de le voir sur pas mal de youtubeurs qui ont fait des carrières avec. Et bon, je dis pas que ça a pas marché pour tout le monde, hein, mais c'est vrai qu'avec le mode saison, ça plaît de moins en moins. Et je me dis, je pense que je vais pas faire ça avec le mode saison. Donc je vais faire une carrière suivie dans le même principe que j'avais idée. Hein. Juste qu'il n'y aura pas le mode saison, du coup, je pense. Le mode saison, je le mettrai peut-être dans le RP. À certains moments, c'est possible. Mais ouais, pas de carrière suivie donc avec le mode saison. Mais vous inquiétez pas, le principe sera le même. Donc la carrière suivie sortira soit dans cette semaine ou ce week-end, soit semaine prochaine maximum. Donc c'est vrai que j'ai un peu de retard. Je vous avais dit 15 jours après la série de retour au passé. Mais ouais, c'est que j'ai pas vraiment eu le temps, il y a eu pas mal de choses à faire hors vidéo, et pas mal aussi de choses à faire sur nos projets déjà qu'on en avec Nico, enfin avec les tournages et tout, c'était un peu long. Mais promis, la carrière suivie va bientôt sortir, et comme je vous dis, j'espère que vous allez pas être déçus, hein, mais si vu que le mode saison ça a été vu et revu, je me dis c'est sûr que ça va pas plaire déjà que... pas mal de youtubeurs ont arrêté leur carrière avec le mode saison parce que ça marchait pas. Donc ne vous inquiétez pas, le principe sera le même. Donc là je pense que je vais vendre le bâtiment. On va faire garage. Normalement le bâtiment, où est-ce qu'il est? Je pense qu'il est au début. Non. Alors il est là-bas. Voilà, il est là. Donc lui on va le vendre. Ah, j'avais vraiment envie de changement, là ça me fait plaisir. On va remettre un bâtiment de stockage si on peut, mais pas le même que celui-là. Qu'est-ce que je peux prendre? Celui-là, c'est un peu le même principe. C'est ça qui est dommage. Si je le mettais... Ah, par contre, il est énorme. Hein. Non, il est beaucoup trop gros, ça sert à rien. Ça, non. Enfin, pas tout de suite. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre pour stocker le foin et la paille? Mais ça, c'est le même principe.
C'est le même principe, mais je me dis, est-ce que ça suffirait pas, en fait, à voir. Est-ce que celui-là, ce serait pas le mieux, franchement? Bon, il ressemble un peu à l'autre, mais il n'est pas tout à fait pareil. Et là, j'ai de la marge pour sortir s'il le faut. Allez, on place. Et on va voir ça tout de suite. Non, franchement, là, je peux stocker mon foin, hein, tranquille, mon foin et ma paille. J'ai largement la place. Non, franchement, ouais, ça va. Et puis là, j'ai largement la place pour sortir avec le tracteur. Bon, pour l'instant, ça me plaît. Du coup, ce qui est de ce côté-là, je pense que je vais soit remettre des bâtiments, mais je suis pas sûr. Ou soit ben, je vais réagrandir la parcelle. Un peu plus ouais, vers ici, là, je pense. Sauf si j'arrive pas à y toucher, mais parce que j'ai eu quelques petits bugs ben, pour refaire la reformation de terrain. Enfin bon, je verrai bien. Du coup, ben, on va acheter les vaches. Hein. C'est parti. Alors, est-ce que c'est ici qu'on les achète? Voilà. Elles sont ici. Bon, mais ça va peut-être être un petit peu long. Je suis désolé. Alors, je sais pas trop à combien. Ben, c'était à 200 000 qu'il fallait que j'en prenne. C'est parti. On y va. On y est bientôt. Ouais, je crois que c'était 202 000 même. Bon, bah, c'est pas grave. Il y en aura une de plus. J'avais le budget de toute façon. Il me reste 398 000. J'ai vendu pour 100 000 euros d'œufs. J'ai vendu 150 000 euros. Non, 125 000 euros d'œufs. Plus de 150 000 euros de lait déjà, je crois. Et sachant que j'ai commencé, j'avais moissonné le colza, mais ça, c'est encore dans les silos. Donc ça va, niveau sous, je suis pas mal, sachant que c'est une carrière no cheat. Et franchement, ça rend bien, ça fait trop joli, je trouve. Je sais pas ce que vous... Ah, je vais un peu trop vite, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, ça fait vraiment beau. Ah ouais, non, franchement, j'aime bien. Hein. On peut stocker 200 vaches, je crois. Non, franchement, c'est stylé. J'espère par contre qu'on peut pailler ici, je pense que oui. J'espère. Franchement, ouais, j'espère, parce que si c'est là qu'il faut pailler, ça va pas trop me plaire. Je regarde s'il n'y a pas de trigger sur les côtés. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir de trigger. Ici, bah, c'est pour le trigger pour acheter. Donc franchement, ouais, si je peux pailler ici, bah, ça serait vraiment top. Ça fait beaucoup plus réaliste, hein, parce que j'ai jamais vu... Bah, comme la stabu, il fallait venir pailler carrément dedans, là, dans l'herbe. C'était vraiment pas top du tout. Et comme j'aime jouer réaliste, bah, ça me plaisait pas. Et là, franchement, la stabu, je la trouve belle. Alors je pense que je l'ai quand même bien placé, parce que dans un autre sens ça aurait fait bizarre, et là je me dis ça allonge les silos. Ici ça fait un petit chemin assez sympa. Non franchement j'aime bien. Ce qu'on va faire, on va quand même rajouter un petit peu de... Ouais de déco. Comme je vous ai dit, je suis dans les détails. Alors je vais juste régler un tout petit truc. On va changer le curseur. J'aime bien moi qu'il y ait un peu d'herbe autour. Bon là ça fait un espèce de carré là, mais c'est pas grave. Mais j'aime bien qu'il y ait de l'herbe autour, ça fait plus réaliste. Parce que chez moi, le bâtiment, c'est comme ça. On va repasser en mode terre. Parce que comme vous le savez, encore et encore, les fermes bitumées, c'est pas du tout mon délire. Alors, changer le curseur. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc en plus, le terrain est droit, donc c'est plutôt cool. Ce que je vais faire... Je vais repasser. Ah, je l'ai passé. Je vais repasser en mode herbe. Voilà. Parce que j'ai pas envie qu'on passe par ici. Je sais, je suis chiant. Mais il n'y a pas lieu de passer ici. L'entrée ici pour moi. Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais tout de suite placer ben, des décos. Alors qu'est-ce que je peux mettre de beau? Qu'est-ce que je peux mettre de beau? J'aime bien en fait moi quand les fermes il y a un peu de bazar. Alors je veux pas que ce soit le gros bazar hein, mais dans les vieilles fermes c'est souvent que bah, il y a des trucs qui traînent et tout et moi ça j'adore. Alors je peux mettre genre ça ici. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ouais je peux peut-être mettre une petite pile de bois. Ouais pourquoi pas. J'aime bien ouais quand c'est un peu le bazar. Ouais. Franchement j'aime bien ça fait un peu à l'ancienne et tout. Je me verrais bien mettre, je sais pas ce que vous allez en penser. Alors il y a des petits buissons, ou il y a des petits arbres comme ça, non peut-être pas ceux-là. Mais je me dis un petit arbuste comme ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal du tout. Est-ce que je remettrai pas un arbre? Alors ici il y a une tache d'herbe. Ok.
Donc je pourrais peut-être remettre un arbre ici et... Ouais, un arbre ici, ça peut être pas mal. On va aller voir ça tout de suite. Et franchement, ouais, j'aime bien. Bon, il faut juste que je repeigne un tout petit peu ici. Et puis je pense qu'on va se laisser là. J'aurais pu nourrir les vaches avec vous. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop long. Parce que la vidéo va déjà être pas mal longue là, je pense. Sachant bon, il y a quand même un gros accéléré. Alors comme je vous ai dit, hein, je vous ai fait ça en accéléré. Parce que sinon ça aurait été vraiment trop long. Le temps que je me décide. Et encore, ça va. Je trouve que j'ai été pas très loin de décider. Donc ça va. Donc je fignolerai ben, les petits détails en off. Hein. Ne vous inquiétez pas. Bon ben voilà, franchement je kiffe. Ça change tout de suite. Bon là ça fait. Ouais. Le petit truc qu'il y a, c'est qu'ici ça fait un gros vide. C'est ça qui est dommage. Mais je pourrais peut-être voir pour bah, faire une petite butte avec je sais pas moi, un petit arbre ou deux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quoique là, on verra bien. Bon ben voilà. Donc en tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je tenais aussi à remercier ben, les 1200 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai dépassé les 1000 abonnés. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Et ouais voilà. Ça fait vraiment plaisir. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous souhaitez d'autres vidéos sur ma partie perso. Parce que bon, ben, vous avez été nombreux à m'en demander. Mais j'espère que ça vous plaît. Et puis voilà. Bon bah écoutez, c'était AgriFarmer16 et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.